Salut les amis, c'est Geese, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle review et première vidéo sur la chaîne pour Naruto. Je vais vous présenter les Figards Zero de Naruto Shippuden, de Naruto et de Gaara du Sable. Elles viennent tout juste de sortir il y a quelques semaines. Regardez-moi ces boîtes de folie. Et on peut toujours les trouver. D'ailleurs, je remercie mon partenaire Boom BD qui me permet de faire cette vidéo. Elles sont toujours disponibles chez lui. Il en a quelques-unes en stock. Donc la Naruto à 70 euros et la Gaara à 80 euros. Voilà les amis. Donc je vais vous montrer la boîte de Naruto en premier. Regardez. Kizuna Relation. Oh, la boîte, elle, rien que la boîte, elle est magnifique. Pareil pour la Gaara. Sachez les amis qu'il y a une troisième pour former un diorama. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Regardez, c'est Sanosuke. Et quand on a les trois, c'est ensemble. Donc voilà, Naruto. Comme d'habitude, je vous montre le sticker officiel qui prouve que ce n'est pas une contrefaçon. Tamashii, Bandai, c'est pareil. Savoir que c'est des scales, donc des figurines qui ne bougent pas, comme les Kimetsu no Yaiba et les One Piece que je vous fais sur la chaîne. Voici Gaara qui est énormissime. Vous voyez, les petits stickers aussi, bien prouver que c'est officiel. On retourne. Et voilà, regardez les amis, quand on a les trois, ce que c'est censé donner. Malheureusement, vous ne verrez pas Sanosuke. Elles sont déjà vendues. Et voilà. Donc, je vais commencer par unboxer la Naruto. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, on va unboxer tout ça. Donc nous sommes sur une boîte de type fenêtre. On bouge la petite boîte bien dorée. Alors, en une pièce déjà, visiblement, oui, il n'y a rien à mettre dessus. Oh. Voilà, regardez-moi, les amis. Ah, elle est belle, franchement, l'effet comme ça, la boule de feu, enfin, du Rasengan, fait vraiment penser à la boule qu'il y avait dans Broly. Vous voyez, comme je vous disais, la partie du socle va venir s'emboîter avec Gaara et Sanosuke, évidemment. Elle est vraiment belle. Peut-être juste un petit défaut, la couleur de la peau qui est fort jaune, je trouve. Mais bon, c'est un détail. Le socle transparent comme ça est vraiment de toute beauté. Je vais ouvrir Gaara et on va regarder ensemble les deux. Donc la Gaara a une boîte plus grande comme vous l'avez vu. C'est pas facile de cadrer en même temps avec une aussi grande boîte. Oh là oui, elle est beaucoup plus grande. Hop, on met la boîte sur le côté. Et on regarde tout ça ensemble. Donc, sur le côté.
Ah, bah elle, par contre, elle n'est pas en une pièce, comme vous pouvez le constater. Ouf. Ah, jolie aussi. Hein. Par contre, exactement le même. La couleur de peau jaunâtre. Regardez. Vraiment, vraiment du bon travail. Hein. Bon, y a pas à dire, ces dernières années, Figure Zero font du haut level. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le socle. Bah oui, voilà. Regardez le socle. Partie Naruto, partie Sanosuke. Une partie, l'autre partie, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Et ici, ça doit être l'arrière du socle. Je vais monter tout ça. Ah, il y a encore une petite pièce ici. Je vais monter tout ça et puis on se retrouve. Me voilà de retour, les amis. Évidemment, avec les montages, vous ne le voyez pas, mais je viens de galérer 10 minutes pour monter la figurine. D'ailleurs, elle n'est pas bien enfoncée. Mais bon, je ne vais pas forcer maintenant. Je vous montre juste pour la vidéo. C'est une vraie galère. Et il n'y a pas de plan pour la monter. C'est démerde-toi sans. 4 ou 5 parties comme vous avez vu et il faut trouver où tout se plug. Donc ici il y en a deux qui se plug. Là au-dessus il y en a un qui vient se repluguer. Et puis on doit en fait mettre la figurine, pluguer et puis déposer. C'est vraiment vraiment très compliqué surtout sans plan. Hein. Donc là on a la, regardez, on a la queue. Je vous avais pas bien montré tantôt. Ici la main. Regardez comme c'est super bien fait. Quand je vous dis que franchement elles sont vraiment superbes. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment dommage que j'ai pas la Sansuke pour vous montrer avec. J'aurais pu faire une pierre deux coups. Enfin, là, une pierre trois coups, pardon. Et donc voilà, regardez. Vous avez ici les socles. On va essayer de repluguer ça sans problème. Ou alors il faut peut-être monter d'abord. Ah ouais, ok. Ouh là là. Bon. Attendez, parce que je tiens en même temps la caméra, c'est pas facile. J'arrive, les amis, je galère, je mets pause. Et voilà, les amis. Ouh, ça a été glorieux. En fait, je vous explique, comme ça, vous n'avez pas la blague non plus. Il faut démonter cette partie-là avant de plugger le Naruto, parce que sinon, pas possible. Mais regardez un peu comme elles claquent toutes les deux. Franchement, c'est vraiment vraiment dommage que j'ai pas Sansuke pour vous montrer avec. Elles sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas à dire. Hein. Du bon boulot. Franchement, moi je vous les conseille vivement. Surtout tant qu'il y en a encore de stock. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu les prix des Figuard Zero de Naruto. Non seulement ça file, mais en plus ça cote. Donc, comme je vous ai dit, je vous mets le lien dans la description. Chez mon partenaire Boom BD, il en reste. Faites-vous plaisir. Donc, je rappelle, 80 euros la Gaara. 70 euros la Naruto. Et si vous venez de France ou d'un autre pays, ne vous tracassez pas, il fait des envois, n'hésitez pas à le contacter. Et voilà. Bon, je vous laisse les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, continuez à me soutenir et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo qui sera sûrement sur Kingdom. À bientôt les amis!